Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un privilège, sans rien d'autre pareil, d'être ici dans ce sanctuaire, tous ensemble, pour l'adoration de notre Dieu. Notre frère vient de chanter le cantique 132, chant d'espérance. Le cantique que vous connaissez assez bien. Espère en Dieu. Quand la nuit sombre, voile le ciel et l'horizon. Espère en Dieu. Car notre Dieu, il est le Dieu de l'espérance. Voilà pourquoi tout chrétien, tout croyant doit espérer. Même en dépit des apparences contraires, vous devez espérer. Dans ce monde où règnent les guerres, les assassinats, un peu partout dans le monde, les grandes puissances militaires comme les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, possèdent des armes pour faire disparaître cette planète. Vous pouvez espérer. C'est cette pensée que nous allons, dans quelques minutes, essayer de vous faire voir que notre Dieu, il est le Dieu de l'espérance. À tout temps. Et en toutes circonstances, même lorsque les hommes, dans ce monde corrompu et malveillant, dans ce monde où règne la trahison contre Dieu, contre soi-même. Il reste et demeure le Dieu de l'espérance. Voilà pourquoi nous venons de chanter ce cantique. Espère en Dieu quand la nuit sombre. C'est cette minute. Que tous les hommes sur cette planète pensent. Que va devenir cette planète, le monde, les puissances, avec leur richesse, leur gloire? Que va devenir ce monde? Dans un monde où règne le désespoir partout. Désespoir partout. Dans le livre des Actes des Apôtres, que notre frère venait de vous lire, il y a une pensée qui se dégage dans le verset 6. L'évangéliste Luc a eu le soin bien écrire, c'est la suite de l'évangile de Luc. C'est le second livre de l'évangile Luc. Et dans ce livre, il y a une pensée
que nous voulons vous communiquer ce matin. C'est le verset 6. Après avoir entendu Jésus, les disciples, les gens qui étaient avec Jésus lui-même, après avoir entendu avec soin la déclaration de Jésus, ils posèrent cette question à Jésus. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Pourquoi cette question ? Sors, dis-nous là. Ça nous tendait là. Est-ce que c'est notre temps ça? Ou habitable le royaume? Pourquoi cette question? Est-ce en ce temps-là? Sors, dis-nous là. Est-ce que c'est notre temps ça? Ou rétabli, pas établi, rétabli. Le royaume d'Israël. Pourquoi? C'était la pensée dominante de tous les Juifs. Pensée dominante de toute la nation juive. Parce qu'il y avait premièrement un royaume, disparate. En 586, avant Jésus-Christ, nous connaissons l'histoire, vous connaissez l'histoire. En 586, avant Jésus-Christ, le royaume était là, mais à cause du péché, sacrifié. Et ça a été commandé à Nebuchadnezzar d'entrer à Jérusalem, de détruire le temple et la ville. À cause du péché. C'est-à-dire personne ne peut croire. Personne ne peut accepter que l'Éternel travaille pouvoir à Nebuchadnezzar. Ou un circoncis, ou un étranger. Plongé sur le sol d'Israël, à Jérusalem, en Juda. Pour le mettre du feu, pour le brûler la ville. Craser le temple. Et piller le temple. Prendre tout sa gain de valeur et transporter à Babylone. Qui aurait cru ça? Qui nous a pensé en bagaille comme ça? C'est une nation qu'un homme a fondée. Et bien David qui a fondé, et bien Salomon qui a fondé. C'est l'Éternel lui-même qui fonde les nations hein, pour faire séparation, en distinction entre son peuple et le monde. C'est pour ça que Israël, le peuple distingué, le peuple séparé, le peuple mis à part, le peuple saint, le peuple consacré. Il était dans la loi pour réformer les sortants d'Égypte. De sorte que il n'y a pas de ressemblance à une autre nation, à un autre peuple. Lui seul, Israël, en tant que nation, bon Dieu débat la loi. Et de l'étude de la loi pour le réformer esclavio. Bon, leur éthique, leur façon de vivre, leur façon de comprendre la vie. Pour que tout ce qui a passé dans le monde, il n'y a pas passé en Israël. Dont l'Éternel était le roi, celui qui règne. À du ciel, seul, a passé le règne, la puissance et la gloire.
touche un peuple qui sépare de tout le monde. Qui distingue de toute nation, qui va sembler en nation. C'est jusqu'à présent, l'Orient juif va sembler avec tout le monde. Avant ma parole. Parce qu'il y a une éthique, il y a un enseignement. Il y a les préceptes de Dieu qui entraînent dans lui, qui fait séparer, distinguer de tout l'autre monde. Parce qu'après le péché, après la déobéissance d'Adam et Ève en Éden, l'humanité est condamnée comme mort. L'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Si il veut dire bon Dieu, mettez tout ça de bon dans lui-même, dans l'homme, l'amour, la sagesse, l'humilité, la gloire, la patience, la tempérance, la bonté. Bon Dieu, mettez le nom. C'est qu'elle t'a dit, créer, faisons l'homme à notre image. Donc le plan de Satan, pour le défigurer l'homme créé, il est en train d'aider, il met un poison. Une fois Adam et Ève entrés dans le consensus ça avec le diable, et puis ils ont perdu l'image première. Vous y êtes? Le péché a entré dans Adam, il a perdu l'image première, ça, mon Dieu, de faire. Mais nos poisons, les obéissances là, qui viennent produire la rébellion. Parce que tout le monde qui est rebelle, tout le monde qui est désobéissant vient rebelle. Amen! Ça fait l'homme ingrat. Et la désobéissance. Il faut faire attention à ce que le diable dit. Mais ça, bon Dieu, diable, mais de sous-côté, il est méchant. Après avoir mangé le fruit défendu, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connaissent qui ils étaient nés. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église? Après avoir mangé le fruit de femme, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut et tout donné. La mort. Pour qu'elle paraît encore. Ça au fait. Il est obligé à se cacher. Il s'y a toujours à la quête de l'homme. Pour dire qu'il a cherché nous. Et c'est le plus précieux de la création pour mon Dieu, l'homme. Et bien, ni l'argent, ni l'or, ni ça nous est. C'est le plus important pour mon Dieu, c'est l'homme créé. Voilà pourquoi le pensée central de la Bible, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Vous comprenez ce verset? Dieu a tant aimé. Il a donné. Son fils veut dire quoi? Lui-même, l'expression de soi, moi-même. Je viens dans le monde comme un homme pour me prendre fardeau au péché, pour chercher toute l'unité de l'humanité, moi-même m'a payé. Amen, 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 amen. M'a brûlé l'évangile. C'est bon Dieu qui descend. Jésus-Christ de même essence que Dieu le Père. Par sa mission, il descend à terre, il vient pour corps. Mais c'est bon Dieu, et ça fait Colossiens de dire que tout a été créé par lui. Vous y êtes? Tout a été créé par lui, et pour lui, et toute chose subsiste en lui. Il n'est pas devant lui. Il est le Dieu de l'éternité. Le Dieu pensable, incompréhensible, insaisissable. Ce Dieu qui transcende toute la pensée humaine, la théologie, par les Français, par l'anglais, bagaille, comprendre bon Dieu. C'est les mauvais yeux par le Saint-Esprit, les bâtis lumière, ou qu'on va comprendre quelques petits bagailles.
Voilà pourquoi mon guide est plus grand théologien qui dépassait toute compréhension du Nouveau Testament, c'est la seule de temps. Les gens comprennent ça, l'évangile laïe, ouais, ça nous. Nous connaissons en partie. C'est aujourd'hui à mon abdi, nous connaissons. Qui est-ce qui connaît? Ça nous connaît. Qui est-ce qui connaît la vie? Qui est-ce qui bon Dieu? Qui est-ce qui est le même? Quand elle est restée, le même. Tout a été créé par lui et pour lui. Et toute chose subsiste en lui. Planète, ça, quand elle est chita là, quand elle est là, elle est vide de chita. Et la vie, en vitesse vertigineuse, personne n'a pas contrôlé la vitesse planète la couille là. Cependant, au marché, on va vivre là-dedans. Ou habiter là-dedans. C'est Jésus qui aime. C'est dans Jésus qui est dans la matin. Amen, 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 amen. Parce que l'homme est tombé dans la désobéissance. Et nous prenons soin pour nous dire Genèse. Prenez-nous seulement, pas qu'il y ait un mal dans l'île pour toi, ou appelez le tableau qui nous parle de la désobéissance. Adam ou y a le cachet. Bon Dieu, parti d'elle. Adam, où es-tu? On ne pas chené dans la place là. C'est la mort. C'est la mort. Ça permet à tout le monde pas qu'à comprendre ça que dit là dans Genèse là. C'est parce que c'est un concept humain. Concept humain. J'en ai pensé nous-mêmes. Quand on dit la mort, nous avons ce cœur qu'il a. Elle m'a dit. Mais là, elle est longtemps. Ça, c'est le reste, c'est fatra à crête là qui vient là, oui. Ça me ramène dans toi, oui. Elle est même qui là, oui. Tout le monde qui l'a sans Jésus, on bloque fatra, oui. Qui m'a oublié, soyez, qu'on sorti. Bon Dieu dit que, jour manger sa wap, mourir ou mourir. Mais mourir pas voulu dire que, si vous êtes cadavre, nous voyons là, elle est à mon amour. Mon amour est longtemps. Il sait pourquoi les Jésus retournent sur la terre, les Jésus viennent sur la terre, ils commencent à prêcher dans Jean 5, 25, qu'est-ce qu'il dit? L'on vient. Elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'ont entendu vivront. C'est Jésus qui a parlé, créateur, oui. L'est venu. Il est venu déjà. Mort, voulait dire le monde entier. C'est mort. Il est venu pour le former ou l'autre race. La race de Dieu qui perdure. C'est pourquoi tout le Seigneur s'est dans la préparation. Tout le Seigneur c'était la préparation. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Toute démarche qu'il a fait dans ses Testament, sans vue de la venue du Messie. Il a dit, Messie, il y a ce bon Dieu qui est venu sur la terre même. C'est pourquoi dans le 4, verset 4 et 5, il dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Né sous la loi, pour le racheter à ceux qui étaient sous la loi, les juifs, avec nous, païens, nous reçussons l'adoption. Mais par grâce, même Jacques Jésus, par grâce, mon grâce, vous te faites tout le monde. Pas qu'il y ait quelqu'un qui fait rien pour sauver. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de pitié d'Abraham. Lorsque les temps ont été accomplis, bon Dieu, tu as un plan, un programme déjà déplacé. Placé. Les temps vont arriver. Et puis, fils de Dieu, Abdisson. La parole. La prêche de l'évangile. Mon les oreilles, vous tendez. Seul monde qui a tendez, qui a vivre. C'est pour ça, avant de descendre, avant de monter à la croix, il va avoir un exemple. Quel exemple? La résurrection de Lazare. Et c'est pour rien Jésus qui est de Lazare mourir. Il fait 4 jours dehors. Pour qui ça, l'équipe de Dieu a fait 4 jours.
son exemple aux figures de la résurrection de l'humanité. Songez exactement à Samarie et Marthe. Ça vous dit Jésus. Là, j'ai dit, Kodo Medel. Ça vous dit Jésus. Jésus, il sent. Il a déjà 4 jours. Ça veut dire cadavre gâté. Après 4 jours, tout n'est vert, ravette. Jésus fait exprès qu'il est allé. C'est le dernier grand miracle que Jésus a fait avant de monter la croix. Jean 11. Je dis, mais allez, tout le monde qui est à l'enterrement est venu. Vous connaissez les curieux. Jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui a couru des miracles. Qui est le plus gros miracle Jésus a fait? C'est l'homme qui connaît Jésus. Alors, tout l'autre bagaille, mettez de l'autre côté. Ou malade, ou guéri là, ou priez pour vous, ou pas mourir. Tout miracle, tout ça, mon Dieu, est fait pour tout le monde, ça a mouru encore. Le plus gros miracle, c'est l'esprit entré dans vous. Ou venez l'autre monde. Et bien Jésus dit, menez-moi devant la croix, devant ton bois. Et ça, tout le monde a bouché, et au cou y aller. Soutez là, tout à coup aller. Non, c'est la pousse cette mort, pas envahi ou, mais où t'as couru parce que Haïtien paie mort. Il a dit, où est Pierre? Faites tout le monde qui a pris à l'école. Et puis, on pousse au chat. Gros acheté. Ils vont entrer. Tombe. Et puis, Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas prié. C'est Dieu qui est campé. Il parlait avec papa pour l'établir en discipline. T'aimerais répéter le mot, Jésus n'a pas prié. Il établit une discipline. Il parlait avec pas. Dans l'unité, nous trouvons tous ensemble. Il commandez-moi. Là, ça sort. C'est gado, gado, ouais, là, ça apparaît. Là, ça sort dans ton nom. 4 jours après, mon qui a l'enterrement est là. Soutez là où t'as kakoui. Puis l'eau est là, ça qui est sorti. Et puis, avec bande machoueli, on prend. Vous connaissez, les mouns mourir, bande machoueli. Vous connaissez, t'es dit ça l'autre jour là. La gare, etc. Parfois, nous chantons quand on mort, parfois, nous la prions quand on mort. Parfois, nous parlons quand on mort, nous faisons cul des morts. J'ai dit, délier lui. Il a dit que tu es bonne marche. L'on vient là qui ne va pas chanter. L'on vient là qui ne va pas comprendre les choses spirituelles. C'est un état de mort, vous voyez. Guérissez-le. Et laissez-le aller. Il était bonne marche à vous. Tout le monde qui a démarré le col. Bougez tout le col. Retirez-le. Ça, c'est vivant là. Et laissez-le aller. Et puis, une semaine après. Ça nous dit, ouais. Lazare qui chita sous table. Une grande fête là, qui a mangé avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ça, ça veut dire? Est-ce que vous comprenez qu'il a maté, il y a un autre capitan de là, donc ça veut dire? Ça représente pour vous. Parce que tout ça, Jésus dit, il y a une démonstration. Il dit, si bien, nous-mêmes qui souffrons avec nous, nous-mêmes qui pouvons faire dos avec moi, nous chita avec moi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dans le royaume, nous-mêmes, nous avons mouru. Mais l'aile est arrivée. Côté Paul, côté Pierre, côté Jean, côté Philippe, côté André, ils sont tous morts. Mais Jésus dit, tout le monde va chita avec lui dans le royaume. Il a dit l'église, monde qui l'a ressuscité. On dit monde qui l'a ressuscité, oui. Parce que c'est ça l'église en train de devenir. Rassemble le mort. Mais l'homme vivant, l'esprit entraîne en haut, son l'autre bagaille. Amen, 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 amen.
c'est le son sale de Vlibay. Il fait la sortie 4 jours après la mort. Les mêmes gens, tout le monde, qui était mort longtemps, depuis longtemps, Abraham, depuis avant Abraham, ou bien ça, Job dit, même l'école tombe en pourriture, mes yeux verront le Rédempteur. On nous dit beaucoup mourir. Ou t'as des cotons non malés, que des pensées l'aller, c'est penser nous qui vous lever. Même si comme tombe en pourriture, même si mourir, mes yeux verront. Là, Jésus mouria, il descend dans le séjour des morts. Pour tout le monde qui attend, tout le monde qui avait espéré. Amen. En plein monde qui avait espéré, il a mouru. Abraham mourit, Job mourit, toute la guerre mourit, Joseph mourit en Égypte, Daniel mourit. Ça, le frère te dit Daniel, al coucher, les lèvres arrivées, vous avez levé pour qu'un héritage. Et même l'évangile là, qui était dans l'Ancien Testament, c'est l'éclature. C'est une forme plus avancée. C'est une forme plus compréhensible. Parce qu'avec le Saint-Esprit, de vos capacités, pour capable comprendre, interpréter les choses. Monde que bon Dieu, le Saint-Esprit, il a la faculté et capacité pour comprendre les choses. Avec pensée pas ou pas qu'à comprendre l'évangile. L'évangile transcende, il dépasse toute compétence pensée humaine. Toute philosophie, toute science, toute langue. Ou qu'on voit parfois, un théologien contre mon texte dans la Bible, il ne peut pas comprendre. Il dit, tu es mal en hébreu, vous ne pouvez pas comprendre. Ou en grec, vous ne pouvez pas comprendre. Ou en latin, vous ne pouvez pas comprendre. Sur un verset, ma blouse verset, je ne comprends pas sa parole, je l'ai dit. Tout le livre, je ne comprends pas sa parole, je l'ai dit. Et me dit, combat qui dit, pas Bible que je là, non. Amen. Quand vous avez que l'homme pour texte là, il dit, mais ça l'a dit. Je ne sais pas, je ne sais pas latin. Amen. Avant de parler. Parce que le monde, bon Dieu, a la capacité pour interpréter, hein? Pour écrire, quitter pour nous-mêmes, si nous avons la Bible là, bon Dieu, par inspiration, c'est le livre inspiré de Dieu, que le veut comme lettre à l'humanité. Bon Dieu parle avec nous par écrit. À toute nation, à tout peuple, dans toute langue. Ça veut traduire la Bible là, dans toute langue que le monde parle. Pour être capable de comprendre. Eh bien, Bible dit Jésus. Est-ce en ce temps-là? Tu me gardes verset encore. Bible. Alors, les apôtres venaient lui demander, Seigneur, est-ce en ce temps-là? Que tu rétabliras. Soulignez le verbe. Et pas établir, non? Rétablir. Ça, ça veut dire. Royaume que bon Dieu te mettait, te planté. Royaume que le débat Moïse vision, te va le former. Non. Exode 25, verset 8 et 9. Ça, le Seigneur. Dit Moïse, gardez nos montagnes, non? Et puis, on image. Ça, bon Dieu dit. Ça, bon Dieu dit. Fais d'après le modèle qui t'est montré. C'est l'église là, au Balgain là. Le royaume d'Israël là que tu as préparé. Le tabernacle, il well. Moi, je parle de capacité pour le faire. Pas de capacité. Le well. C'est ça que fait bon Dieu, mettez toute qualité du monde dans l'église. Le roi l'inexode 31. Oui, bon Dieu. Parlez de Oliba. Le Seigneur dit, mettez l'esprit dans lui. La capacité pour l'exécuter tout plan. Quoi? Moïse, c'est une intellectualité. Moïse est passé dans toute classe. Tout le monde est dans le coin, dans l'époque. Il y a. Mais il voit avec là, il n'y a pas qu'à faire. Il va droit à tisant qui a une manière de prendre des outils pour le couper, pour le faire. Non, non, non. Bon Dieu, mettez l'esprit dans lui. Et m'a le monde qui va assister, exactement. Pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il n'y a pas sur la Saint-Victor, il y a des problèmes dans l'église. Depuis le roi de Saint-Esprit, bon Dieu, toute qualité de monde vient de l'église, d'avoir tout ça l'église a besoin.
Parce qu'il n'a pas qu'à faire tout le bagage. Amen, 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 amen. Dieu oublie cette Bible. C'est pour ça que tout a été monde dans l'église. Les nous faisons mal, nous prenons monde qui n'a pas de capacité, nous mettons et vous faites des ordres dans l'église. Mais si vous êtes dans le lit, c'est l'esprit, dans la prière, vous avez vu, même vous, même vous, même vous, et puis vous regardez, vous avez une capacité pour faire n'importe qui bagaille. Amen, 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 amen. Si vous voulez comprendre, vous comprenez. Mettez l'esprit dans le lit. Parce que c'est bon Dieu qui a bâti le royaume. Là. Il mettez le monde pour faire tout le bagaille là-dedans. Tout le bagaille. S'il parle le pour moi, un bagaille, pas même. Nous connaissons ça déjà, mais pas parler sur lui. Ça veut dire que tout le monde qui est allemand est hache là. Il a déplacé, il a porté hache là, sorti un côté, ou un autre côté avec lui. Et puis il y a des gens qui ont hache là, approché, il y a allemand, pour dire tout est sous place. Il va faire ça, je veux dire, non? Là, il a vu l'autre gens. Parce que pas comme ça, crée. Amen, 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 amen. Gimaga dans l'église pour moyen, il faut qu'on ça crée. Il faut que ça nous mise à part. Nous disons, bon Dieu, oui. Il va faire ça, faire ça, faire ça. C'est qu'on y a, nous avons fait une robe sur vous, costume sur vous, vous voyez tout le côté dans l'église. Et ça fait baisse, nous. Tant que nous pauvres. Parce que trop de monde qui va appeler, qui va être capacité pour faire travail là, qui vient manger, bah, mon Dieu, il va déranger le fait des ordres. Avant ma parler. C'est pour descendre à genoux. Et mes apôtres ont dit Jésus, est-ce en ce temps-là que Dieu rétablira? Prenez ce verbe. Que Dieu rétablira. À Jésus, il a parlé. Mon qui est avant nous, mon qui est à Jésus, qui dormait à Jésus, qui lève à Jésus, il a parlé. Seigneur, est-ce notre temps ça? Ou après rétablir le royaume d'Israël. Parce que devant 586, on va nous craser. Dans l'exil, en Babylone, il est retourné. Ça n'est pas ça. Mais Jésus, tu es dans le haut de la bénie. C'est lui-même qui a venu rétablir tout le bagage. C'est Jésus qui a venu rétablir tout le bagage. Et vous soyez chanté, espérant Dieu dans la maison. Et ouais, tout est noir. Autour de soi, tout est désespoir. Espérant Dieu. Vous regardez l'information française, c'est donc que quantité de police française qui a sujet des têtes. Bon, on paye riche en ça. La France, oui. Un paquet de police a tué Tadjo. La jeunesse, mon a tué Tadjo. Ici aux États-Unis, mon a tué Tadjo. Vous m'attendez? Mais d'où vient cela? Je voudrais mettre Tadjo. Oui. Regardez, corps, corps. Ouais, l'ombre est sorti, vous prenez soin. Vous regardez, vous payez les. Mesdames, vous-même, les crampes devant la glace. Et puis, regardez, corps. Et tellement remettre tête, oui. Pour mon arriver, mettre du feu sous tête, oui. Pour mettre des gaz sous tête, oui, pour mettre du feu. Mon ça possédé. Mon ça possédé. Mais sous ce monde, ou pas qu'à penser, ou qu'à faire un bail comme ça. Même la fin, pas bon, non, ou espérer. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de crasse, pauvreté, espérer. En plus, le monde qui l'a, aux États-Unis, parce qu'elle était espérée. Amen. Il y a un monde qui vient ici, il n'a pas de passeport, il n'a pas de acte de naissance, mais le royaume des États-Unis, là, il y a un gouvernement avant de parler. Parce qu'elle a espéré, là, il y a un avion à voler, il y a un avion à voler, il dit dans le Seigneur, pourquoi on joue, on va voler tout. C'est gado, ouais. Et puis, bah, la chance. Et puis là, regardez ici, au Gekai, au automobile, tout le bagage, puis toute l'école, dans le grand collège, le gouvernement pays pour lui. C'est eux-mêmes qui étaient fous. Mais dans le cœur, tu as un espoir.
Donc, un chrétien, pas qu'il doit jamais perdre espoir. Parce que bon Dieu, nous sommes Dieu. Espérance. Espère en Dieu. Quand l'année est sombre. Mon affaire de déception, mon barre, mais on qui met le monde. Qui garde le monde. Espère en Dieu. Parce que l'on dit espère en Dieu. Espérance là. C'est son coin. Vous mettez toute foi là-dedans. Désir. Souhait, on fait tête tout. Conviction, gagne non bagay. Parce que l'on croit dans l'évangile, conviction, bien mettez là-dedans, pas gagner qu'à lâcher. Ou. Pourquoi ça? L'homme est d'espérance tout dans bon Dieu, ou quoi dans sa Jésus hier, dans sa doux là, pas gagner mon qui a déplacé au côté de hier. Pas vous riche. Côté en s'en ou bien. Eh bien, bon Dieu noir. C'est le Dieu de l'espérance. Il a regardé dans la vie de Noé. Au jeune Noé, non, Genèse chapitre 7. Je vais prendre un mal livre, ou un livre pour nous. Ou un écrit pour d'être pauvre. Non, Genèse chapitre 7. Chapitre 7 là, venait juste après le chapitre 6. Corruption. Tout le monde qui prend du temps pour l'Ancien Testament, pense en bouler. Corruption du genre humain. A dit mélange. Mélange. Ça, bon Dieu, t'attends le travail que vous faites là, l'homme vient mélanger. C'est Satan le diable qui est entré là-dedans encore. Il gâte, il mélange. Et puis la terre tourne. Soit les États-Unis hier. Soit New York hier. Soit la France hier. Soit l'Angleterre hier. Je veux dire, c'est ça le tourne. L'olile, la corruption du genre humain, comparé à la Jodia, semaine ça, États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, il y a plus mal. Que Ali, ensemble, Allah Kayou, les Genèse chapitre 6. Vous parlez pour qui ça? Bon Dieu, t'es relé Noé. Ils ont verset pour Yahidou. Noé, tout va grâce. Noé, tout va grâce. Ce qui veut dire, Dieu toujours à la recherche d'un homme ou d'une femme. Bon Dieu, son frère. Bon Dieu, son soeur. Bon Dieu, besoin, pasteur. Notre corruption, quand la corruptibilité a dépassé les mesures, toute la compréhension humaine, bon Dieu, en quête de nous, dit que Noé, tout va grâce. Et Nathan, oui, Nathan, corruption du genre humain, oui, mais dans le temps, Josué, tout va grâce. Alors, l'on vient ici, dans les États-Unis, on dit, oh, c'est un grand pays. Oh, c'est un grand pays. Petite moi, hey. Comme moi. Madame Sam de Mayavel. Nexam de Mayavel, ah. C'est doctrine, non. Des garçons mariés, des femmes mariées. Ah, c'est grand pays, hey. Tant ça, la Bible là. Puis mal. De son lit. La Genèse 6, là. 1, 2. L'argent couvrir parce que couvrir l'argent ou perd du bon sens, couvrir l'or ou tomber dans les gamins, ou même pas capable de discerner ce qui est réel, ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est que par exemple, pile monde dans l'église qui va pas grandir ou pas aller plus loin parce qu'on va vivre pour son ouais. Et ça, mon Dieu, pour maintenant, et bien ça nous ouais. Amen, 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 amen. Et ça fait les doux plus tard. Tendez bien, Paul a défini pour faire comprendre que tout ça, oui. Dans 1 Jean 2. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux.
bâtisse de la chair, l'orgueil de la vie, tout ça nous à genoux, tout a disparu. Qui ça? Apôtre Jean, qui a parlé. Cela ne vient pas du Père, mais du monde. Tout système où est là, qu'on y a là, système politique, système économique, ça a guidé, le diable qui a guidé. Alors, même vous venez dans le pays, vous venez dans le monde du riz, ou le monde du monde du riz, ou vous faites fréquent. Rangez corps, parce que tout le monde est prêt à le faire. Il y a l'évangile, ma bonne. Bon Dieu, il est Noé. Il dit Noé, tout va. Et pas qu'il était pire, bon, parce que tout le monde. Et pas que Noé pas de bien péché. Et pas ça, vous dit. A dit, au monde qui a des consentiments dans le cœur. Comme a dit le prophète Jérémie, il y a des choses qui sont coliques. Les douleurs de l'enfantement. Il y a des choses qu'on a fait dans le monde, ou honte, tête. Il y a des choses qu'on a fait dans l'église, il y a des coliques. Et puis c'est lui-même l'église pas pour bon. C'est lui-même qu'on a pas de bravo pour nous. C'est que pour prêcher l'évangile qui est dans la Bible, il faut mettre des grands mouns. Un pasteur de l'église, son monde qui baille tête. J'aime répéter le pour nous. Pasteur Chile, là, je dis, pasteur Thomas, il est fini. Il a accompli le mandat. Moi, avec lui, là, devant 73, moi, là. Avec 46 ans. Quand il n'y a pas encore, quoi descendre. Même jambes bras et tout, même que tu restes toujours. Amen, 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 amen. C'est le petit reste ma bon bagaille. Oui, j'ai 78 ans. 1er janvier, j'ai 79 ans. Ce qui veut dire que, comment, je fais moyen de moi. Je fais moyen de moi. Donc, si parce que je l'ai voulu, l'église là, sorti dans tout le monde que l'hier, dans les ténèbres que l'hier, sorti dans la faiblesse que l'on a, et pour nous mettre des grands mouns sous lui. C'est comme ça qu'il y a. C'est pour ça qu'on a un mandat. Il y a un mandat, il est venu. Il n'a clairement d'avenir. Faiblesse entre l'église. L'église descend. Orgueil, vanité, parole en pile. Il faut passer à mettre des grands mouns sous lui. Pour le traiter avec grâce. Méchant. Vous allez les vins donner seulement cette organisation. M'habiller, m'bal dans Clermont. Oui, m'bal parler dans Clermont. Alors commençons à faire. Sauveur Jésus, attend nous bagaille dans nous. Amen. Où est-ce que dit Noé? Bon famille. Bon famille. C'est bon Dieu qui t'a parlé. Entrez dans la joie. On va détruire tout ça en bas. Ça, ça veut dire. Ça veut dire pour l'or l'île, ça veut dire pour point famille entre tout là. Bon, tu fais que si nous avons été obéis, nous n'étions pas venus. Quand vous dites, vous dites petit, vous venez entrer dans l'église là. Là, nous, moi-même, maman, je suis jeune, dans l'évangile. Vous dites, viens baptiser. Il dit, ah, qui a fait baptiser, vous venez là, monsieur. Il faut m'accepter Jésus. Bon, qui l'a accepté Jésus? Ah, maman, pas qu'on aime trop jeune. Et puis, on perd dans le monde là. Et ça, on est New York là, oui. Ça, on est New York là. Et là, de New York là, oui. Qui va connaître son paquet d'affaires? Oubliez mon. En Haïti, c'est mon péché, c'est mon maudit qu'en Haïti. Où est-ce qu'on est? Bon, j'ai parlé avec Haïti. Parce que le besoin d'Haïti, c'est lui qui crée Haïti. C'est la Bible a dit, le Dieu des nations, c'est le qui va au espace vital que nous vivons. Tout le monde a un espace sur terre, ça c'est héritage. Même j'en ai l'héritage d'Israël. Bon Dieu va au espace de terre, ça c'est pour lui. Tout le monde quand il la donne, qui vient mettre des ordres la donne, Jésus va le mettre l'ordre là, il va le venir. Parce que c'est pour lui. Et bien, c'est dans le contexte ça. C'est dans le contexte ça. Apôtre dit Jésus, est-ce en ce temps-là que Dieu rétablira
le royaume d'Israël, royaume Nebuchadnezzar écrasé, qui va jamais établir encore. Il va s'en Nebuchadnezzar, il va s'en barrer la Perse, il va s'en barrer les Grecs, il va tomber dans la pire main. C'est celui, pasteur, Jésus vient. Et c'est pas tuer Jésus. C'est pas le Christ ville. C'est yo. Mais dans le cœur, disciples qui te prend un message, qui te comprennent ce que Jésus t'a dit, en partie, en grande partie, lui dit Jésus, et c'est dans le temps ça, ou parler avec nous, ou après établir le royaume. Même Jean Jodia ou même, qui désire, qui demande ou à faire bon Dieu, matin, là, pas là, pas là, pas là. Non, il y a un bel cas, un bel auto, l'argent, l'économie, bagay. Et tant ou à pédi. Parce que nous comprenons, non, mais dans le monde dans la langue, mon qui a plus d'argent, il est plus misérable. Je dis pauvre, non? Sous pauvre, à fort bon. Misérable. Avec tout l'argent, ou misérable. Avec tout le cas, avec tout l'automobile, ou misérable. À fort pas bon. Mais bien en tête, où est l'amour? Mais bon Dieu, tu voulais passer ce message-là. Ici, tu comprends, ça t'a dit. Parce qu'il t'a dit déjà, nous-mêmes qui marchons avec, nous-mêmes qui s'ouvrons avec, l'aime établi avec moi, nous va chita avec moi, sur 12 royaumes, sur 12 trônes. Jésus te dit, pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, mon qui n'a crédulité, je ne sais pas les convertir jusqu'à présent. Ou bien qu'on est assez jusqu'à prêcher l'évangile dans le monde entier. Mais pensons pour nous lire, pensons pour nous regarder. Parce que c'est appel là, en pile là, dans le monde qui est recevoir, pour courir venir. Là, tout le monde attend, Dieu fort Jesus. Alors, en Haïti, j'ai une mission juive qui campe. Et en toute l'Afrique, c'est juif qui parle qu'à prêcher l'évangile. T'as l'air comme ça, il y a rempli le monde net. Et puis, prophétie, Jésus de faire. Avant le tonnerre. C'est ça qui a préparé la cunière là. C'est notre dernière heure, non, il y a là. Notre dernier moment où il y a là. Si vous ne pouvez pas faire, c'est cunière pour faire. Pas envoyer à demain. Pas envoyer à demain, non? Nous disons très bien. Si vous ne pouvez dans le cœur ou dans la vie ou dans le fait avec le Seigneur, fais-le. Autrement, on ne peut pas changer de faire. Parce que parfois, mon Dieu met dans le cœur pour nous faire un bagage. Nous sommes traînés. Il va y avoir de lourdes conséquences. Si nous allons comprendre ça, l'évangile là. C'est couvrir, couvrir, tout le bagage va disparaître. Fini. C'est ça, Saint-Esprit dit. Et ça fait. Tout côté. Qui l'assemblée t'a gagné des espoirs. Bon Dieu, mettez espérance. Même Jean pour Adam. Attendez bien, oui. Pour Adam, l'elfine trahit le Seigneur. Trahit le Seigneur. Et puis, rébellion. Ouais, désobéissance, rébellion. Le bon Dieu, le Seigneur m'a dit, qui t'a appris que tu as dit, est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ça, les bon. La femme que tu m'as donnée. Mais étonne. Mais étonne l'humanité. Les bons dieux parlent avec l'humanité, ils rendent mon Dieu responsable. Ou t'as dit son cause pêche. Non. Ça, bon Dieu fait. Il prend bête là. Il prend poli. Pour un pour bête, il faut faire un sacrifice. Oui ou non? Il est le premier des sacrificateurs. Il prend poids, il fait radimer des soins derrière. C'était une ombre des choses futures, des choses à venir. Ça veut dire que c'est Jésus qui vient nous couvrir, nous. Le monde tout uni spirituellement, ça pour couvrir. Le Saint-Esprit. Parfois, il est là où habillé. Regardez, vous devez tout fond, vous habiller pour montrer qui est mon goye, mon tout uni de mon Dieu.
Tout le monde qui tout tourne là, il y a des gens qui connaissent exactement ça, ma bien. Vous habillez matin, vous prenez une belle automobile, vous venez de l'église là, mais tout tourne devant mon Dieu. Vous venez chanter, vous venez raconter une histoire, ou tout tourne. Bon Dieu, il est le Dieu d'espérance. Devant une chance matin. Espère en Dieu. L'on pas de courage pour camper droite. A dit Saint-Esprit. Sors Jim non. Je ne peux pas faire. Je dois aide. Côté m'a tombé, côté m'a bralé, côté m'a quitté Kaye, m'a bralé, madame nan, nek sous côté, messieurs, femme sous côté, al côté bon Dieu. L'église pas sort, ouais. C'est sort, pas ouais. Débouquez courage pour dire bon Dieu ça. C'est ça, il dit confesse tes péchés. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et pour nous les pauvres. C'est lui-même qui dit ça. Il n'y a pas un autre qui vient de dire, c'est maître, c'est l'esprit qui parle qui dit ça. N'est-ce pas, il est là matin, on vient revenir à l'église là, bagarre, on va être tenté dans la tête. Bon Dieu dit, si tu confesses tes péchés, c'est ça l'évangile là. Eh bien, messieurs, tu as espoir. Est-ce qu'on se donne? Que tu rétabliras. Bon Dieu. Bon Dieu, tu fais réparation pour Adam. Pour génération avant Noé. Balaté mal en pile. Noé, tout va grâce. Jeune au monde. Avec le monde, les bon Dieu, jeune au monde, on a une quantité de bagages qui fait. Si bon Dieu, jeune pasteur Chile, dans la petite église qui grandit dans l'église, on compte qui ça qui fait. Faut nous dire, supposons. Faut nous dire, supposons. Faut nous dire, supposons. La Bible, Noé, terre des petits lions, pour toute famille, entrer dans l'achat. Et une fois au final de l'achat, l'eau commence à tomber. Et puis tout en bas disparaît. C'était une figure du jugement. Qui va arriver. Le monde, les murs, les préparer pour le jugement. Tout ça, on dit le monde, il a fait pâle. Tout ça, on dit le monde, il a réponse pâle pour le bas. Pas perdre du temps, continuez le chemin. Annoncez l'évangile dans tout le coin de la terre. C'est ça, bon Dieu, bon fait. Les albums, ils sont là, les albums, ils sont là, ils sont tous là, ils sont là, ils sont là, ils comprennent. Qui côté bon Dieu raché. Bon avenir pour nous. Même si tout le bagage noir. Bon avenir. Parce que le cœur, il y a espérance. Ça, il s'est dit. Espoir. De vivre. Et pour me terminer, thème de ça. Parce qu'il y a trop à dire. Quand il y a mon, on a mis à New York. Non, mais dans le côté la vie, matériellement, côté mon vie, plus bien sous la terre. En Amérique du Nord, côté Rochida, c'est côté la vie, plus facile. Vous m'attendez, vous parlez, l'Europe, parlez de tous côtés, moi, je voyage de tous côtés, tout coin, vous allez, bon Dieu, vous allez, les mêmes gardes, bien, bien beauté, vraiment, bien gloire, bien science, bien. Technologie, bagage, mais États-Unis, notamment en Amérique du Nord, où est-ce qu'on vient? Quand on mange bien, vous mangez bien, puis vous mangez mal tout, parce qu'on est trop. Mais oui, une fois, je vais parler avec un Suisse, pas en Europe, et puis ils font une conversation avec un sur les États-Unis, et puis, la montrer, ça fait mon gras comme ça, mon gras pile maladie, parce qu'ils mangent mal. Et ça, qu'ils mangent mal là, oui, ou qu'ils ont trop mangé. Et pour terminer, c'est mon dos. Pendant là, bon mandat pour. Pour les journaux,
ou dans les radios, ou dans les secours Haïti. Si vous voulez comprendre le message là, espère en Dieu. Ou qu'attendez le message là, ou qu'attendez par là, mon pas comprendre. Puis me dit où. Lorsque la caillou, vous me regardez dans le canal, faites inspection, convoque avec Dieu. Songez aux pauvres. Songez aux frères, songez aux soeurs. Songez aux membres qui ne peuvent pas manger. Pas bon pour vous pas comprendre ça, ma vie. Avant, ma parlé. Songez avant qu'il ait dit, quand il était monde qui était dans le besoin. Il y a monde qui ne va jamais voir rien. Il veut trouver une malédiction sur Haïti. Fonti soustraction. Il y a 50 dollars, 75, 400, 400, tout dépend de possibilité. Songez au monde. Songez au monde, mon Dieu. Le matin, allez, faites tirage. Allez dans la maison de transfert. Vous songez dans mon nom? Si vous ne songez pas, relez. Très bien, pour le bon vrai nom. Parce que si vous parlez des noms bien, vous connaissez. Pour bon vrai nom. Et puis, au fond, on se fait bouler. Il n'y a pas qu'on est. Il a fait un transfert. Téléphone de mon nom. Bal numéro. Mounsa, devant porte-li, place, côté où mette charbon du feu, côté où mette wash pour faire chaud, faire maïmoune en bouillie, li efface. À forme à parler. En pile monde à vivre de tiki chogue dans la rue. Parce que pour cuire manger, il faut qu'un corps bouche à bon. À forme à parler. Il faut qu'un corps bouche à. Un corps pour poids, un corps pour durer, un corps pour l'huile, un corps pour viande. Quand on a fait bagaille comme ça, pour un pile monde, millions de personnes. Il est obligé à ravitailler dans la rue, se conseiller un corps pour 20 corps, et lâcher bonbon. Pour qu'il y ait de l'eau. Et puis l'offre de faire transfert. Et pour relever mon nom. Vous dites mon nom, un tel, al nan tel transfert. L'arrivé là. Vous voyez tant bas. Vous payez taxa pour ne pas prendre la donne. Sans passer de Mounsa qui tentait ou deal, vous voyez 50, vous voyez 100 dollars, vous voyez 200 dollars. Vous avez l'espérance là, Mounsa qui a marché pour aussi, il vient redresser tout de suite. Oh, la vie rentrée! Et l'évangile m'a beau. Oui. L'avion? Oui. Mounsa couru l'allée. Là, on va le numéro 1. Là, on va rempli formule là. Formule là, et puis il va aller. Et puis on longe le petit comme la balle. Il commence à courir depuis là. Il parle qu'à camper droite, mais il n'a qu'à courir. Quand il y a charbon entré, qui fait l'humain? Quand il y a la vie, il faut dire fait l'humain. Et puis, on s'est arrêté celui. On s'est mangé. Il a mangé. Pensez ou même qui gagne toute possibilité ça. Bon Dieu te baille main pour venir dans le pays, pour tendre Haïti dans ce lieu là. Gagne monde qui dans le pays, mais espère quand même. C'est l'espération qui va que bon Dieu parle avec vous. Pour dire ou même qui m'a coûté l'argent ça là-bas. Mais c'est un tel, mais frère un tel, mais mon sac est tel côté, allez, font transfert, voyez ma famille. Et puis la vie entre dans la caille là.
Donc c'est l'hôpital mon aller pour mal d'estomac. Mais ça n'a marché le balai. Dieu fait les ménages là. En pile bagaille réglé. Espérant Dieu, quand là nous sommes, il y a de l'espoir. Haïti n'est pas perdu. Amen. Haïti n'est pas. Bon Dieu, quand on bagaille, il dit avec lui. Mais il est là toujours. Même je suis sûr d'aller dans tous les coins de la terre. Bon Dieu, il dit, m'a dispersé nous dans le monde. Parce que nous pas tant de samedi. Ou tant de ça au passé. Bon, il y a qui connaît l'histoire un petit peu. Et pendant deux ans, ça vous fait. Vous voyez, mon qui parle d'Israël, il y a ouais. Ça, il est la nation d'Israël. Ça, il tourne combien là. Après dispersion, ça. Il y a 1948, il reprend des dimensions encore. 2500 ans, il était dispersé dans le monde à cause du péché. Mais bon Dieu, reprend. Espérons Dieu. Amen. Nous remercions le Seigneur pour. Le message qu'il nous a envoyé ce midi par son serviteur, le pasteur Joseph Théodore. Pour clore le service de ce midi, nous vous invitons à ouvrir vos chants d'espérance au numéro 306 du recueil des chants d'espérance sur les ailes de la foi, numéro 304. 306, le ciel était voilé, la route était obscure. Voyageurs désolés, j'irai à l'aventure. Chaque arbre du chemin était une menace et je cherchais en vain la route de la grâce. Une sélection qui a été présentée par le pasteur Théodore. Debout pour clore le service, le numéro 306. Le ciel était voilé. La route était obscure.
et j'avais sur la salle de beau dans la lumière. Jésus, quel doux accueil, il fut à ma misère. Je t'attendais beaucoup, dit-il, pour mon âge, viens-tu si tard. Grâce, nous te remercions pour ton Saint-Esprit, pour ta présence parmi nous. Tu as été dès le début du service jusqu'à maintenant. Merci, reste avec nous, pardonne nos péchés, Seigneur, nous te remercions une fois de plus pour le pasteur Théodore, bénis son ministère, bénis sa famille, donne-lui davantage. Afin qu'il continue, Seigneur, à prêcher ton évangile. Merci pour Pasteur Saint-Victor. Nous prions pour sa famille. Nous prions pour son voyage et son ministère. Sois avec lui, Seigneur Dieu. Bénis ton Église, bénis ton peuple réuni. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous accompagner sur le chemin de retour. Nous te remercions pour les nouveaux baptisés, pour leur sagesse, Seigneur Dieu, d'avoir pris la décision de te servir, car tu dis dans ta parole que nous devons confesser nos péchés, nous accepter comme Seigneur, plonger dans les eaux du baptême et te servir jusqu'à ton retour. Merci pour le ministère de Clermont, merci pour ton peuple. Pardonne nos péchés, reste avec nous. Nous t'en prions, non en vertu de nos mérites, mais au don et par les mérites de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne, au siècle des siècles. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, une petite réception pour les nouveaux baptisés. Nous vous invitons à nous rejoindre dans l'auditorium. Et aussi, toute la semaine, à partir de mercredi, la conférence de l'Association des parents. Priez pour l'Église, priez l'un pour l'autre. Merci. Et maintenant, la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire de maintenant et à jamais. Amen. Allez en paix.